beaucoup de refus, bah, vu le nombre d'animaux qui arrivent, bah, c'est difficile de se placer tout le monde. Pour l'éviter, la région de Bruxelles exige donc que tous les chats, mâles ou femelles, soient désormais stérilisés. Une opération qui a un coût. En moyenne, ça pourrait tourner autour de entre 120 et 140 euros pour une stérilisation de femelles et entre 60 et 80 euros pour un mâle. Alors je sais qu'il y a des communes qui prévoient une aide pour les particuliers qui souhaitent stériliser et qui n'ont pas les moyens de le faire. C'est pas une réalité. La nouvelle loi ne gêne pas ce propriétaire. Il aurait de toute façon pris rendez-vous. On espère ne pas trop avoir de chatons derrière. C'est un mâle et une femelle. On a une boîte, ce frère et sœur. Donc voilà, on espère ne pas avoir de portée du jour au lendemain comme ça par miracle. Les associations de défense des animaux, elles, crient victoire. Cela peut paraître étonnant, tant la mesure est radicale, mais il en va du bien-être des bêtes. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les chats qui arrivent abandonnés dans les refuges, notamment, qu'il y ait donc une sorte de proportionnalité, une sorte d'équilibre entre les chats abandonnés dans les refuges et le nombre qui sera adopté. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint cet équilibre-là, ben, il faut ce genre de mesure, il n'y a rien à faire. La loi est temporaire, elle sera testée pendant 5 ans avant d'en faire le bilan. Mais dites-nous Valérie, est-ce qu'à ce rythme-là, finalement, le chat ne risque-t-il pas de disparaître tout simplement du pays? Non, alors car il y aura des dérogations possibles pour les éleveurs professionnels, bien sûr, pour des particuliers qui souhaitent faire reproduire leur chat. Ils peuvent avoir provisoirement un statut d'éleveur, donc provisoire, et puis les autorités belges sont lucides, elles se doutent bien que tout le monde ne va pas se soumettre à la loi, qu'il y aura toujours quelques portées sauvages comme ça, et toujours de chats de poussière, surtout donc la loi sera réévaluée d'ici quelques années et modifiée le cas échéant. Alors, j'espère que vous avez bien entendu. Donc, ça se passe à Bruxelles. Et je me dis à quand ça va se faire dans tous les pays. Voilà. Hein? Parce que ras le pompon que les gens ne fassent pas stériliser leurs animaux. Ben oui, pour quelqu'un comme moi qui a des animaux, outrage. Non, je suis lucide. Je suis très lucide. Donc, c'est pas la même chose. D'accord? Donc là, ça se passe à Belgique. La loi passe. Ça va être comme ça pendant 5 ans. Et comme il disait, voilà. Non, les chats ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais il faudrait que cette loi passe dans tous les pays. C'est pas compliqué. La loi aurait dû être votée pour tous les pays. Bien sûr, il y en aura toujours qui ne le feront pas. Voilà, qui ne le feront pas. Et puis malheureusement, il y aura toujours des petits, des portés. Je trouve ça aberrant, quoi. Alors, que ça soit pour les chats et pour les chiens, c'est pareil. Hein. Là, il parle des chats parce que c'est vrai que les gens laissent ça plein de portée. Mais pour les chiens, c'est pareil. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une loi qui passe là-dessus. Hein. Parce qu'il y a des gens, là, ils font faire des portées. Après, ils vendent leurs chiots alors qu'ils n'ont même pas le statut pour pouvoir les vendre. Ils vous vendent ça 600 euros sur Internet, etc. Et ils n'ont aucun statut, quoi. Ce sont juste des particuliers qui veulent se faire du fric sur le dos des petits. Il y en a aussi qui vous marquent donne les chiens. Donc, je suis allée, moi, me renseigner. Et la personne mentait. Parce qu'en privé, elle disait qu'elle marquait donne. Mais voilà, c'est, en vérité, elle faisait payer. Etc., etc. Donc, j'ai dénoncé. De toute façon, je dénonce ces personnes acquises de droit et cette personne, donc, a été virée du groupe. Parce que moi, je suis inscrite sur pas mal de groupes
et je dénonce ce genre de choses. On ne marque pas en public que ces choses sont données et qu'en privé, on vous demande 500 euros ou 600 euros pour acheter un chiot ou 300 euros. Voilà, donc ça c'est de la pure arnaque. Donc ça, je suis désolée, donc ça moi, je dénonce tous ces trucs. Voilà. Et dans les groupes, ils se sont rendus compte par eux-mêmes aussi qu'ils ont eu les mêmes arnaques. Donc non, il ne faut pas aller payer. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une loi qui passe pour tous les chiens aussi. Voilà. Donc là, c'est pareil, moi, pour le magasin où j'ai acheté mon haut, là, comme je vous disais, c'est pareil, j'attends une réponse de leur part, car normalement, ça ne se fait pas ce qu'ils ont fait. Donc, j'attends une réponse, mais vraiment valable, sinon je vais avertir le service des fraudes qu'ils aillent faire un petit tour dans le magasin et en expliquant les faits. Ben oui, pour moi, ça, c'est... Voilà, j'attends d'abord une réponse très, très valable de leur part, parce que moi, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter. Même si c'est pas moi qui passais les commandes, je sais quand même comment ça se passe, que ce soit pour les nouveautés de l'été, les nouveautés de l'hiver, hein, qui se préparent bien à l'avance, toujours. Donc, peut-être que ça a changé depuis des années, parce que depuis des années, je ne travaille plus dans ce milieu, mais... Voilà, j'ai posé la question, j'attends une réponse valable de leur part. Maintenant, s'ils ne me répondent pas, je dis rien, j'en avertirai qui de droit. Alors ensuite, pour passer à autre chose. Alors, ici, nous avons un tableau que nous a mis une personne qui est pas mal. Les 5 blessures de l'âme. Alors, vous avez le rejet, c'est ce qu'on ressent, hein, ou ce qu'on a reçu, ou on a eu, on le ressent. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ça commence déjà tout petit. Donc après, c'est vachement ancré en nous. On ne s'en rend pas compte des fois. Et donc moi, je suis contre l'injustice. Hein? Moi, je veux quelque chose qui est juste. Alors, par exemple, allez, je parle de l'injustice parce que ça me concerne. Je suis assez rigide là-dessus. Alors, corps physique. Bon, après, il y a des choses qui ne me correspondent pas, donc ça, je ne le lis pas parce que ça ne me correspond pas pour moi. Ça va correspondre pour d'autres personnes, mais pas pour moi. Alors voilà, il veut vivre dans un monde parfait. C'est donc coupé de sa sensibilité, semble un éternel optimiste, même si rien ne va, ne respecte pas ses limites, très exigeant face à lui-même. Alors, pour l'optimiste, pour moi, non, mais je le suis pour les autres. Je vais être optimiste pour les autres, mais c'est pas pour moi.
très exigeant face à lui-même, oui. Je suis exigeante envers moi-même et envers les autres. Parce que j'ai, même si je n'arrive plus à travailler, j'ai mon côté professionnel qui est toujours en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, beaucoup de gens l'ont aussi, et ça c'est très bien. Je le reconnais de suite, un salarié, comment il parle, tout ça. Je sais très bien si c'est un salarié de base là qui vaut pas grand chose, si c'est un bon salarié. Alors, après, donc, après, il faut chercher, hein. Par exemple, vous allez sur le site de Lise Bourbeau. Bon, elle ne marque pas tout hein, sur son site parce que, bien sûr, elle vend ses livres. Alors, voyons, qu'est-ce que je peux vous montrer là? Ah, ben tiens, ils en parlent. 5 blessures de Lise Bourbeau. Alors, attendez. Donc, vous allez sur le site de Lise Bourbeau. B-O-U-R-B-E-A-U. Voilà, et elle vous note pas mal de choses. Voilà, le rejet, donc là, c'est bien inscrit. L'attitude du comportement du fuyant. L'abandon. Même si vous n'avez pas été abandonné, vous avez pu ressentir un jour un abandon parce qu'un de vos parents travaillait tout le temps, n'était jamais là, ou vos parents se sont séparés, il y a eu un divorce, donc vous avez ressenti ça. Ça ne veut pas dire que vous avez été abandonné, mais voilà, l'humiliation, la trahison. Alors, je n'aime pas non plus la trahison, moi. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose de bien pour moi ou pas? Alors, ne peut tolérer de se faire mentir. Non, mais après le reste, ça, c'est pas moi. Alors, chez la femme, la force est plus dans le bassin et les hanches sont plus larges et fortes que les épaules. Bon, mais voilà, vous allez voir les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Ça peut vous aider. Elle ne vous dit pas tout parce que, bien sûr, elle vend ses livres et vous avez tout dans les livres. Hein. C'est complet. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose? Alors voyons, quelle est l'origine de la butte de Noël? Ah, j'en avais entendu parler, mais je ne m'en souviens absolument pas. Alors, la tradition. Écrivain, historien français, d'accord. Alors. Mmh.
Alors, l'usage semble remonter au temps le plus ancien et se rattacher à la tradition germanique et druidique de la fête du feu. Ah oui, alors, on choisissait le plus bel arbre. On y taillait un fût aussi long que la cheminée était large et le plus gros possible. Les cheminées étaient des monuments. Ils devaient brûler pour le moins 3 jours, d'où le nom de tréfeu. Alors, j'aimerais bien savoir. Alors, cachez le feu ancien, allumez le feu nouveau, et Dieu vous comblera d'allégresse. Chantez les jeunes gens en apportant la bûche taillée dans le tronc d'un vieil arbre, d'ordinaire un olivier. L'ancêtre, la rosée de lait ou de miel, en souvenir du paradis perdu dont la nativité rouvrait les sources de délices, parfois de vin pour célébrer la vigne plantée par Noé après le déluge. Bon. Alors moi j'aimerais bien, je sais qu'il y avait une bûche, une petite bûche, c'était un arbre, mais après je sais pas comment, un peu long là. Hein. Alors, moi j'aimerais bien avoir directement là. Alors. Voilà quelques-uns des contes qui ont distrait et émerveillé, fait frissonner des générations de paysans français durant des siècles devant la bûche de Noël. Donc c'était bien ça, c'était une bûche, donc c'était pour le feu. Merci de votre lecture. Oui, bah, c'est un peu trop long, quoi. Hein. Lui, je l'ai écouté hier, hein, ça va. Alors, les chakras. Ah, elle est bien cette dame. Oh, je voulais marquer encore merci, parce que c'est bien ce qu'elle... je marquerai, je ferai un petit logo tout à l'heure. Alors, les chakras. Voilà. Alors, vous avez le chakra racine. Sacré, plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et la couronne. Donc ça part toujours d'en bas pour aller en haut. Donc le troisième œil, ça je le reconnais, commande la direction spirituelle. Ok, la gorge, pont purificateur.
Je ne vais pas tout vous lire, mais allez voir les chakras sur Internet, vous allez le trouver. Le plexus solaire, quand on a un plexus solaire, c'est l'origine du dysfonctionnement, c'est quand on a un dysfonctionnement du plexus solaire. Je bien dis dysfonctionnement. S'il est bien, il n'y a pas de souci. Esprit dominé par l'ego, mécontent de leur situation de vie. La gorge, origine du dysfonctionnement, difficulté à exprimer ses problèmes. Bon, tout ça, je vous laisse après le chercher sur Internet. Ça, je vais aller voir aussi. Alors, de l'enfance et de l'adolescence moins bien gérée à cause de l'immaturité néocorticale. Donc ça, je vais le lire tout à l'heure. Alors oui, j'avais mis un truc là, comme j'avais dit. J'avais mis les deux vidéos là des gens qui sont en prison là, qui s'éclatent là, etc. Ils se filment, tout ça, tout ça. Et la question c'était pour que les pédophiles remplacent les animaux dans les laboratoires. Donc il y en avait des pour et des contre. Moi je suis entièrement pour, bien sûr. Hein. Et je m'attendais à être assassinée de partout. Ça veut dire, je m'attendais à ce que tous les contres me lynchent, quoi. Me lynchent sur Internet, quoi. Je m'y attendais vraiment, hein, sur Facebook. Je m'y attendais. J'étais prête. Je m'attendais à avoir un truc phénoménal. Et j'étais prête. Je veux dire, ça, c'est pas un souci. Ben non. Quelqu'un a cliqué sur « J'aime ». Et personne ne m'a massacré, quoi. Là, j'en ai deux j'aime. Le 7 janvier. Pourtant, il y en a plein qui ont écrit, même hier. Hein, quelqu'un qui a noté, et cela coûterait moins cher aux Français en impôts. De toute façon, les pédophiles ne sont que des nuisants. Pour une fois, ils serviront à quelque chose. Et surtout, ne pas hésiter à faire toutes les expériences possibles. Alors, quelqu'un qui a marqué, moi aussi, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est dit, non. Donc, il y en a beaucoup qui sont pour, en tout cas. Quelqu'un qui dit, ça c'est un homme, je suis entièrement pour. Les malades sexuels et les terroristes sont des dangers pour la société et leur race ne s'éteindra pas. En plus, ça pourrait en faire réfléchir plus d'un, alors que les animaux sont des innocents, tout comme les enfants.
Ben là, je dis bravo. C'est un monsieur, mais là, je dis bravo. Ah ben non, je me suis pas fait massacrer sur Internet, quoi. Ah ben alors là, je reste baba, quoi. Franchement, depuis que je l'ai mis, ils l'ont regardé. Bon, il y en a qui m'ont mis un ticket sur j'aime. Ah ben alors ça, ah ben là, je suis déçue. Ah, je suis déçue, personne n'est venu m'engueuler. Je ne le crois pas, quoi. Je m'attendais à que tous les contres, là, s'acharnent sur moi. Même pas. Ah, alors là, c'est la première fois, quand même, que... Ah ouais, je suis déçue qu'ils n'aient pas fait ça, quoi. Ah, je suis déçue, parce que d'habitude, je m'y attends. Hein, je m'y attends, je le sais. Ah, mince, personne. Alors, mais il y en a plein qui sont pour, donc il y en a plus pour des pour que pour des contre. Mais voilà, quelqu'un raconte qui est contre et qui dit un pédophile ou un assassin est un être malade, donc qui doit être soigné. Et si possible, on le met hors d'état de nuire sans pour autant le faire souffrir ou le mutiler. Oui, ben, ces gens-là, on ne peut pas les soigner à vie, c'est pas possible. Ils doivent passer... on ne peut pas les soigner. En plus, vous n'êtes même pas derrière pour savoir s'ils vont prendre leurs médicaments ou pas. C'est pas possible. Alors, quelqu'un qui dit, il est tellement facile de se faire passer pour un malade en tant qu'être humain avec un bon avocat, quelques années en psychiatrique, et hop, on libère et il recommence. Et hop, malade, repsychiatrie, etc., c'est sans fin. De toute façon, pour ceux qui n'ont pas compris que les gens, on ne peut pas les guérir comme ça, on ne peut pas les soigner comme ça. Mais oui, il y en a qui parlent de prison et tout ça, mais elles sont pleines, les prisons, je ne sais pas, on les nourrit, ils sont logés. Voilà, il y en a qui ont la télévision, Internet, le téléphone portable et tout. Je ne sais pas, moi. Quelqu'un qui dit, je suis tout à fait d'accord, pédophile et assassin et violeur. Alors, quand ça a été prouvé, avec l'ADN, hein, je parle, hein, attention, quand ça a été prouvé, on n'accuse pas des gens à tort et sans regarder l'ADN et tout ce qui s'ensuit, hein. Bon, il y en a plein de pour, il y en a d'autres aussi, il y en a plein qui sont contre. Bon, en tout cas, on n'est pas venu m'engueuler sur ma vidéo. Bon, là, je suis déçue, là. Franchement, je m'y attendais. En plus, je m'étais préparée psychologiquement. Ah ben, rien du tout. Faire mon caliméro, c'est pas juste. Non, c'est pas juste. Bon. Bon, il va falloir que je me prépare psychologiquement à ce qu'on m'engueule pas. Oh, ça aussi. Ben oui, d'habitude, quand je dis quelque chose... Bon, alors, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont compris la vidéo? Est-ce qu'ils ont bien vu comment ça se passe en prison? Mais j'en sais rien, puisque je n'ai pas de... Je n'ai pas de retour. Oui, il y en a qui l'ont vu parce qu'ils ont cliqué sur j'aime. Mais voilà quoi, il n'y a pas de retour vraiment. Que ça.
pauvre. Alors, message pour 2018, donc je pense que c'est un jeu. Ah non, même pas. Ah non, c'est quelqu'un qui en parle de 2018. D'accord. Ok. Bon, ça je connais, donc pas besoin. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ici? D'accord. Je vous laisse avec cette petite image et je vous dis à plus tard.